cortex. Et c'est une blague. C'est une blague. Ça serait con de mourir maintenant comme un caca. Oh putain, juste quand je le dis quoi. Yo, salut tout le monde, c'est Galedo. Aujourd'hui on continue Crash Bandicoot 2. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. The pits. Allez, sur quoi on va tomber là? Petite tortue. Oh putain. J'ai failli m'embrocher sur ces pics. C'est quoi ça? La gâche. Allez là. Ah putain. Ouais. Ah, il s'est même pas déclenché. C'est pas bon, on va le déclencher nous-mêmes. Et on se casse. Hop là. Parapaparapap. Allez, on n'a pas le temps parce qu'on se précipite, on va trop vite. On s'en fout parce qu'il y a un checkpoint. Oh, pas mal. Presque. Allez, petit Oudougouda, ça va faire du bien. Ok. Ok. Ah là, il y en a deux. Je vais commencer par la gauche, on va voir. Tu dégages, Germaine. Mireille, ça faisait longtemps. Jacqueline aussi. Gisèle, tu dégages. Micheline aussi. Allez, hop, c'est parti. Un petit checkpoint qui fait du bien. Voilà, ça c'est fait. Hein. J'ai envie de dire. Attends, ça en fait des pommes. Hein. Ok, mais j'ai bien fait de passer par la gauche, hein, le cristal il est là. Voilà. Hop. Je fais quoi? Je tente l'arrière ou quoi? Je sais pas si c'est une bonne idée. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. Ok. Franchement. Oh, rien que pour la vie, c'était une bonne idée. Les vies, c'était une bonne idée. Oh, et les pommes, j'en parle même pas. Alors là, je vais pouvoir me faire un savoureux jus de pomme. Je vais me faire un jus de pomme. Ok. Bon, vous savez quoi, on va pas se prendre la tête. Voilà, je pense que on a une autre cristal. On est très content. On va pas trop en demander. Allez, déjà, tu vas tournoyer. Voilà, on va pas trop en demander. On a une autre cristal. Voilà, on va continuer. Là, les mondes pour l'instant ils sont assez cool. On va éviter de les compliquer. On va plutôt en profiter. Voilà. Oh là 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 là. Bon, faut que je reprenne l'habitude du double saut parce que là ça va pas le faire. Toi, tu dégages, tu me saoules. Toi, je n'en parle même pas. Allez, on refait les mêmes bobettes qu'on vient de faire. Allez, c'est pas grave, ça fait des pommes. On fait ce qu'on pensait comme ça, on s'en fout. On tape là-dedans, c'est super. Toi, tu te dégages. Toi, tu te dégages pas. Tu me tues. Bon, c'est pas grave, on y croit, hein. Allez, je m'en branle. Voilà, vous dégagez, vous faites-moi les malins, hein. Non mais dis donc. Toi tu dégages aussi, tu me saoules. Ah, ça serait con quand même, hein, de clamser, on arrive à la fin. Ou pas, mais bon, on y arrive, ça c'est certain. Allez, hop. Ça c'est fait. Ah. Ah, je croyais que... Voilà, c'est bon, il est là. Allez, on attend que la caméra se repositionne et boum! Alors, dans mes souvenirs, on peut les casser comme ça, voilà! C'est pas mal! Voilà, on sait jamais, il y a peut-être la trace de cortex. Et c'est une blague! C'est une blague! Même si j'avais voulu, j'aurais pas réussi à le faire. Bon bah on recommence, hein.
Ah. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça j'en parle même pas. Là on se concentre, on fait pas de la merde. Allez. Voilà, une dernière. Et voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh non, 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 non. Voilà. Je ne gore pas de bouton, ça serait con. Ouh. Allez, petite vie. Ça, ça fait plaisir. Voilà, la zone bonus est terminée. Une vie, 77 pommes. Bon, on a toujours pas de vie, c'est pas grave. 14 vies pour l'instant, on se met bien. On continue parce qu'on aime ça. Allez, les taux. Allez, allez, allez. Allez, petit champignon qui fait bien. On sort de ce trou de merde. On prend des pommes. On fait attention à la tortue. On fait attention à ce truc. Et on recommence avec les taupes. Allez, 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 allez. Et on a fini le monde. Et bah, c'est pas mal. Il en manque combien? 42, 53. Oui, il en manque quand même pas mal. Hein. Mais on s'en fout. On a fini, on est content. Faudrait vraiment que je chronomètre les temps de chargement parce qu'ils sont quand même vraiment longs. Hein. Alors, le dernier, et bah le dernier, bah on va le faire tout de suite. Crash Dash. Un petit monde à l'envers, ok. Ouais, la glissade, c'est bon, t'inquiète, hein, j'ai reconnu. À mon avis, j'en aurai besoin s'il me donne ça en astuce. Ouh! Ah, c'est d'accord, putain, non, faut pas monter dessus. C'est des mines. Faut éviter les mines. Oh, faut. Putain, les mines! Ah, je suis un petit peu concentré, hein. Voilà, pas trop envie de faire de la merde. Voilà, deuxième safe zone. Et ouais, tu m'as pas eu, Germaine. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu vas pas me saouler, on va passer 3 heures à sauter dessus. Ouh, j'ai failli me la prendre. Bon, c'est quand même beau, hein, graphiquement, hein. En même temps, c'est la même chose que le précédent. Oh putain, il y a de la nitro. Ouais, comme je disais dans le premier opus de Crash Bandicoot, c'est intéressant, je trouve, les oh putain, les différents concepts, les différents gameplay qu'ils ont trouvé en fait pour ce jeu de plateforme. Je trouve ça vraiment génial. Moi, j'adore. Ça change. Oh non, mais c'est pas vrai, pour une pomme à la con. Pour une pomme à la con. Allez, hop, on y retourne. La petite musique là, ouh, qui met vraiment du baume au cœur. Non mais j'ai tapé la vie, hein, j'ai pas tapé la dynamite. On y retourne parce qu'on aime ça, nous, on aime. On aime souffrir. On a la petite musique en plus là. Ouh là là. Mais quelle musique de ouf. Allez, on l'attente encore. Mais j'ai tapé la vie. J'ai pas tapé la TNT. Oh putain. On la rejoue. Est-ce qu'on aime ça? Putain, la musique de l'amour en plus là. Allez, vas-y, hop. Mais c'est une blague. Mais putain, mais c'est un truc tout con en plus. Pourquoi je meurs comme un caca? Oh là, j'ai eu chaud aux fesses. Là, là les amis, j'ai eu chaud aux fesses. Là, j'avoue, j'ai eu chaud aux fesses. Non, normalement, je fais ça et je tape. Non, si je fais ça. Ah bah voilà, hein. Enculé.
Oh putain. Oh la vache. Oh, je vais pas pouvoir. Oh, j'ai glissé. Mais c'est quoi ce monde de merde? Ouais, je sais, je recommence. C'est chiant, hein. Oula, je chaumiche encore. Oh putain, j'ai failli tomber comme un caca. Bon, là, on prend notre temps. Maintenant. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Hein, une. Une. La première est faite. Faut pas que je tape la dernière caisse. Mais... Oh, j'ai eu du cul, là. J'ai eu du cul. Faut pas que je tape la dernière caisse. Qu'est-ce que je fais? Je tape la dernière caisse. C'est logique. Chez moi, c'est... Faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. C'est quoi, ça? Je pense en fou. Wouh! Rock'n'roll attitude! Ah, c'est délire, quoi. Il y a des accélérateurs. Je sens que ça va être fun. Ou pas. On va le voir, de toute façon. Oh, putain, la blague. Hop. Oh, la blague. Là, 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 là. Voilà. Oh, là, là, là. J'ai pas le deuxième. Mais merde. Par contre, j'ai eu la mine. Fais chier, fais chier, fais chier. Oh non! Ah, de toute façon, j'ai vu quand je me suis foiré au premier saut. Je savais que j'allais tomber. Je le savais, je le savais. Je l'ai pressenti. Ouais, déjà, je me prends pas de mine. Donc, c'est bien. C'est un petit début. Cet accélérateur, ouais. Bon, j'ai pas pris les pommes, mais franchement, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Je saute en avance. Je saute en avance. Je sais pas pourquoi, je saute en avance. Je saute trop tôt. Je me précipite. Il ne faut pas se précipiter. Jamais. Voilà, tu vois, tellement je me précipite pas, tu vois, je me prends une petite dynamite. Je me prends une petite mine. Putain! La petite musique à peine oppressante. Tu vois. Genre t'es pas assez stressé comme ça quand ils jouent, tu sais. Ils en rajoutent. Ou alors là c'est obligé, je... Ah, j'ai pas pris, quel con. Ah, une deuxième. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Oh, j'ai le petit diamant fêché, j'ai pas eu la vie. Eh bah tant pis, hein. Moi j'en ai pas perdu une de plus. C'est déjà ça. Putain, il arrive à sortir un diamant de son oreille, le mec. Il est super balèze. Il est super balèze. Il est encore là, lui. Tu aides Cortex à trouver ses cristaux. Pourtant, tu as trouvé une gemme. Intéressant. Tu sais pourtant, mon petit Crash, que tant que tu es dans les rangs de... Cortex, tu restes mon ennemi juré. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arrêter. Si tu travailles pour la sauvegarde du monde, ce sont les gemmes qu'il te faut trouver, pas les cristaux. Si tu trouves les 42 gemmes, je peux régler mon canon laser sur Cortex et détruire sa station spatiale et ses plans machiavéliques. En attendant, je dois t'empêcher de ramasser les cristaux. Et par la force, si besoin est... Il a dit combien de gemmes, là? Putain, ça en fait des gemmes, hein. Bon, c'est quoi, Reaper Roo? Ah, oh, excellent. C'est le boss encore, Reaper Roo. Reaper Roo, ouais, on l'a eu dans le premier opus, c'est le boss.
Ah bah lui je m'en souviens un petit peu, je sais plus ce qu'il faut faire mais lui je m'en souviens. Où il saute partout avec des dynamites ou je sais pas trop quoi là. Ah oui il fait des TNT c'est ça. Oh je sens qu'il va être super relou quoi. Ok. Ok à chaque fois il y a une parcelle qui n'est pas occupée. Ok. Là ça va être quoi? Ok, une partie TNT, il est sonné, et une partie nitro où il est vraiment déchire, et là je peux le frapper, ok. Bon, par rapport au premier Crash Bandicoot, franchement, il est déjà plus accessible celui-là. Ok. Ok. Ce serait con de mourir maintenant comme un caca. Oh putain, juste quand je le dis quoi. Ça serait con de mourir comme un idiot, comme un caca, bah tu vois. Je meurs. Foiré. Voilà c'est bon, je connais ton système. Jolie coupe hein. Je sais pas si on peut tomber. Non on peut pas tomber. Eh bien. Voilà, tu dégages. Allez, pose ta nitro. Voilà. Et attends, par contre là c'est... La nitro, je sais plus où est-ce qu'elle est posée. Après. C'est bon ça. Bon bah c'est bon, ça a été fait. C'est bien. Bien torché. Roue, tu dégages. Bon bah c'est pas mal. On est bien là. On est bien. J'ai plus la zone de sauvegarde par contre. C'est quoi ce milieu? Non, sauvegarder. Bah si, on va quand même sauvegarder. Rapido. Oh le con, j'ai pas sauvegardé. J'ai chargé. Oh, je suis obligé de tout refaire. Oh la blague. Bon, c'est pas grave, je vous retrouve tout de suite. Je refais ça rapidement. Allez, à tout de suite. Et de retour après ce monstrueux fail, nous voici repartis. Je vais réessayer de sauvegarder en essayant que je... en espérant que je ne charge pas. Ah oui, j'ai fait croix, d'accord, ok. C'est pas logique aussi de faire... ok. Bon, sauvegarder carré. Sauvegarder, oui, voilà. Là, pour l'instant, on est pas mal. Ok. On est pas mal. Allez, next. Non, c'est pas ça. Ah si, OR1. Voilà, dans mes souvenirs, c'est ça, de monde en monde. Ok, bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de cette aventure où on fera ce petit étage qui m'a l'air fort sympathique. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao.